Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce Chat Plays sur le Chat Pack. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire la tablette Draconium. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire des trucs. Alors, j'en ai profité aussi d'ailleurs, je vous montre rapidos, pour améliorer certaines machines. On verra ça certainement dans un prochain épisode quand j'aurai besoin d'améliorer d'autres machines, voire dans d'autres choses. Pour le moment, Draconic Evolution. Nous allons avoir une tablette très intéressante qui va nous permettre par exemple de savoir comment fonctionne, le storage d'énergie de Draconic Evolution. Par exemple, il nous faut un Wyvern Core et tout ceci pour faire des énergies Core. Très bien. Nous allons avoir besoin également d'énergie pylône qui vont nécessiter ceci et d'énergie Core Stabilizer qui vont nécessiter ceci. Bon, très bien. On va avoir besoin de beaucoup de saloperies de Draconic Evolution. Donc, on va lui apprendre à en crafter quelques-unes. Comme par exemple ceci, voilà, qui va nous nécessiter d'apprendre à crafter ceci, voilà, qui va nous nécessiter d'apprendre à crafter, je l'ai appris en fait en passant à crafter les blocs et les lingots, ceci, je crois que c'est ça, Energy Core Stabilizer, oui, qu'il nous faut, de toute manière, de base, voilà, Draconium Ingot, Gold Ingot, Diamond, ok. On devrait être bon, en tout cas, pour faire l'Energy Core. Nous allons vouloir aussi les corps, d'une manière générale. On va avoir le Draconic. Je vais vouloir lui apprendre aussi le Wyvern. Voilà, qui va nous nécessiter des Nether Stars. Bon, à savoir. Je vais vouloir le Wakened, qui aussi va nécessiter la fusion. Mais pour la fusion, on la fera un peu plus tard, pas pour le moment. On la fera sans problème. Je vais vouloir donc un Energy Core. Energy Core se craft comme ceci, avec des Wyvern Core, des Wyvern Energy Core. Je vais lui apprendre à faire les Energy Core, tiens, en fait, au passage, Energy Core, les Wyvern, ça se craft comme ceci. Est-ce que tu sais faire, en fait, les blocs de Redstone? Non, les blocs de Redstone, non, tu ne sais pas les faire, c'est pas grave, on va t'apprendre aussi, tu vois, c'est pas très sorcier. Hop, ça, ici, et voilà, normalement, on devrait être bon pour faire tout ce qu'on veut. Je vais vouloir tout de suite commencer par regarder notre petite tablette. Pour faire l'Energy Core, il va nous falloir plusieurs choses. On va commencer par un tier 3, pour commencer, voire tier 4. Tier 4, ça pourrait être sympa. 4 Energy Core Stabilizer, 1 Energy Core, 54 blocs de Draconium et 26 blocs de Redstone. Alors, le Draconium, il nous en faut 54. On a tout ce qu'il nous faut, c'est parfait. Ça va commencer à crafter, et là ça craft relativement vite. Relativement. Et c'est bien parce que ça nous utilise que 800 RF particles pour crafter super vite. C'est l'Elite Smelting Factory qui se craft de façon relativement simple, avec dedans les upgrades d'énergie par 8 et de speed par 8. Donc c'est la plus rentable, disons, c'est pas la plus rapide, parce qu'à chaque fois qu'on met de l'énergie, ça ralentit la vitesse. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal pour ce que ça a à faire. Et surtout que là, on va être tranquille. Energy Core, donc, je vais vouloir un Energy Core. Energy Core qui se craft comme ceci. Qui va nous réclamer en plus un Wyvern Energy Core. Ainsi que... Non, deux Wyvern Energy Core, pardon. Ainsi que un Wyvern Energy... Un Wyvern Core tout court. Wyvern Core tout court, je veux dire. Là c'est parti. Alors deux Wyvern Energy Core, un Wyvern Core, ça nous fait l'Energy Core. On va avoir besoin de Core Stabilizer. Je lui ai appris à en crafter, on va en vouloir 4. Ce sera un peu plus rapide comme ça. Hop, start, c'est parti, ça craft. 1, ok. 2, ok. 3, ok. Et 4, ok. Alors, je vais déjà vous montrer comment ça marche, ce bidouille. Tout simplement, si je venais ici prendre mon énergie corps, que je le posais là, bon, jusque-là, il me dirait invalide. On va mettre tier 1, build guide. Tier 1, il n'y a pas beaucoup à construire. Ce qu'il faut savoir, c'est que autour, dans un rayon de quelques blocs, il va nous falloir 4 stabilizers. On va les mettre comme ça, là, c'est valide. On active, et là, bim, on a un petit énergie corps qui nous fait 45 millions de RF. 45 millions de RF. Jusque-là, ça va. Entourons cet Energy Core
d'un peu plus de choses. Premièrement, on va pouvoir aussi, cet Energy Core, on va pouvoir aussi l'utiliser pour savoir à peu près ce qu'on fait dans la vie. Si j'arrêtais de gogoliser sur une porte, ça irait aussi bien. Hop! De la cobble qu'on va faire monter jusqu'en haut. Et là, tac, on met l'Energy Core. On va péter un petit peu toute la cobble qui est en dessous. Voilà. On est toujours en speed 3, hein. Ouais, on est toujours en speed 3. Ok. On n'a plus de fortune, mais on est en speed 3. L'Energy Core, donc il est ici. On va pouvoir le placer, par exemple, tier 2. Tier 2, on met le build guide, et ça nous montre qu'il nous faut tout ceci comme draconium autour. Nous, on avait dit qu'on voulait un tier 3, je crois. Tier 3, ou tier 4. Je ne sais plus lequel on avait dit qu'on ferait. Je crois que c'était le tier 4. Revérifions, c'est celui qui nous demande 54 blocs de draconium. 54 blocs de draconium, c'est le tier 4. Très bien. Donc, on va devoir construire, comme ceci, des blocs de draconium et des blocs de redstone autour de l'Energy Core. Draconium, 54. Bon, il est toujours en train de crafter. Redstone, il nous en faut combien pour l'Energy Core tier 4? Il nous faut 26 blocs de redstone. Ok. Redstone, bloc, 26. Non, pas 26 plus 64, 26 tout court, ce sera gentil. Hop, 26 blocs de redstone. Ok. Le PC qui a complètement planté sous la puissance de Draconic Evolution. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a tous les blocs de draconium qu'il nous faut? Oui, il est 54, parfait. Hop, on va récupérer nos 4 corps stabilizer. Je souhaiterais déjà péter ça. De base, je souhaiterais le péter. J'aimerais le placer à un endroit sympa. On pourrait le placer par-dessus la maison. On pourrait le placer aussi à un endroit... J'aimerais faire une structure cool, en fait. C'est ça le truc. Je pense que ici ce sera bien. Hein. Voilà. Où se trouve ici? On a un bug au niveau du... Voilà. Cobblestone. Pourquoi pas de la cobble? Ça ira aussi bien. En même temps, on aurait pu prendre la dirt. Hein. La dirt, on la pète super vite. C'est vrai, j'avoue, on aurait pu prendre de la dirt. Ou au pire, on peut le placer pile poil au milieu. Ce serait beau aussi. Ce serait bien. On va le mettre là. Nous avions dit tier 4. Passons tier 4. Non, tier 4. Hop, c'est parti. On va péter les blocs qui sont en dessous, c'est-à-dire les blocs de cobble. En faisant attention à ne pas péter les blocs là, voilà, de stone brick. Ok, c'est parti. Alors, 26 blocs de redstone. Donc les blocs de redstone, on va les mettre tout autour. On va désactiver le guide parce que moi, je sais à peu près ce qu'il faut faire. C'est tout simplement, on fait des couches autour. C'est-à-dire que là, il va nous falloir une couche de redstone. Comme ceci. Vu qu'on a bien tout calculé, qu'on a bien tout suivi, c'est bon. Il va nous falloir tout autour de ce truc de redstone, de cette boule de redstone, il va nous falloir des boules de draconium. Voilà. Voilà. Ici, même combat. Ici, même combat. Hop, il y en a un qui s'est barré. Il s'est pas mis au bon endroit. Hop, parfait. À partir du centre, ici, on va placer à 1, 2. Donc là, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que ce soit au moins 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va le mettre là. On va le mettre là, à peu près là. Voilà, un Energy Core Stabilizer à 12, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, on est à peu près centré ici aussi. Parfait. 1 ici. On pète la cobble tout autour. 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Energy Core Stabilizer. Ok. On pète la cobble ici. Alors, on va se mettre sur la cobble. Ça ira un peu plus vite. Et même principe, même combat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac, Energy Core Stabilizer. Parfait. On va répéter encore toute la cobble qui est là. Hop, là, attention. Hop, tac, 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 tac. Le dernier. Et on se retrouve donc avec un tier 4 stabilisateur. Les stabiliseurs sont valides, le cœur est valide, on active et là, bim. On a une grosse batterie en draconium. Donc ça va être notre stockage d'énergie. Ça va être notre stockage d'énergie qui va pour le moment être dans le vide et qui va posséder 9,8 milliards de RF. Pour le moment, il ne charge rien, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui placer deux choses. Premièrement, un truc pour charger, un truc pour décharger. Pour ceci, je voudrais des énergies, des cristals. Comment ça s'appelle ça? Énergie cristal. Énergie cristal. Bon, on était presque. Hein. Énergie cristal qui se craft avec un Wyvern Energy Core et 4 diamants. Donc ça va encore. On lui a appris à faire les Wyvern Energy Core. On va lui apprendre à faire les énergies cristal. Énergie cristal, s'il te plaît. Voilà. Et on va lui apprendre aussi à faire les Basic Energy IO. Non. Les Wireless Energy Crystal. Ça va être important. Pour ceci, il va falloir que tu apprennes à faire des Eye of Ender aussi. Voilà. Et on va tout placer là-dedans. Parfait. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? D'ailleurs, il nous faudra un Crystal Binder aussi. Binder. Crystal Binder qui se craft comme ceci avec un corps bleu draconique donc. Tac. Un draconique corps. Ça nous fait un Crystal Binder. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ceci? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il va nous falloir plusieurs choses. Premièrement, il va nous falloir aussi, d'ailleurs, j'en profite. J'ai oublié le nom. Energy Pylone, voilà. Il va nous falloir des énergies pylônes. Pylône. Énergie pylône. Très bien, il nous en faudra deux. Donc il va nous falloir deux de ça. Il va nous falloir un draconic core. Oh non, ça nous vient par deux. Ok, très bien. Des émeraudes. Donc il va nous falloir également. Il nous faut quoi déjà, pylône? T'as la mémoire d'un poisson rouge en ce moment. Draconic Core, Eye of Ender et 4 Draconium. Ok, donc 4 Draconium. C'est parti pour la cuisson. 2, 3, 4. Ok, et un Draconium Core. Start, start. On en veut un. On va aussi vouloir du verre. On va en vouloir deux de verre. Très important. Core. Voilà, Draconic Core. Deux énergies pylônes. Ce qu'il faut savoir, ces énergies pylônes sont des blocs qui nous permettent d'accéder ou non à notre petit réservoir là-haut. J'aimerais les placer dans un coin relativement sympa, pas très très loin du bordel, parce que sinon ce sera chiant. Pas très très près du bordel, parce que si jamais on veut l'augmenter, ça va être aussi chiant. Là, ce sera bien. Voilà. Un énergie core. Attention à ne pas péter le bloc. Un énergie pylône. Sur cette énergie pylône, on va placer un verre, ce qui va se transformer en boule. La bouboule, on l'utilise pour gérer le pylône. Il y a deux modes pour gérer le pylône. L'insertion, l'extraction. Là, on insère de l'énergie. J'aimerais qu'on extrait de l'énergie par le bas, qu'on puisse extraire de l'énergie par le bas. On est à combien au fait de hauteur là? 1, 2, 3, 4, 5 de hauteur par rapport au bloc. Ok. Donc on va se mettre sensiblement pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire 1. Oups là, on va essayer de se centrer si possible. Ok. 2, 3, 4, 5. Le glace. Et par-dessus, le énergie pylône. Enfin, le énergie pylône. L'énergie pylône. Apprends à parler français, Chad. Voilà. Hop, ici. Par contre, le glace va toujours dans la direction de Draconium Block. C'est-à-dire que là, le Draconium Block va être en dessous, donc le glace va aller en dessous. Et là, on est bon. C'est-à-dire qu'on va en avoir un qui va être en extraction, un qui va être en insertion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, tout simplement, on va insérer de l'énergie. Eh bien oui, c'est pour ça qu'on fait ça. Hop, on va insérer de l'énergie dans notre système, donc on va avoir besoin de câbles pour l'amener là-haut, ou on peut utiliser aussi les câbles, on va dire entre guillemets câbles, de Draconic Evolution. On va en crafter pour le moment 8.
Est-ce qu'on aura tout ce qu'il nous faut? Oui, parfait. Ok, on va en crafter quelques-uns. Je souhaiterais ces câbles en prendre une partie, ces cristal relay, en prendre une partie, en prendre au moins un, le transformer en double énergie cristal relay. Voilà. Voilà, ça devrait être suffisant, je pense. En poser un en dessous, ici. En poser un au-dessus, ici. Et là, on va avoir l'entrée et la sortie de notre système. On va vouloir connecter cette entrée dans le coin là, environ. Alors, j'aimerais. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît, jeu vidéo? Je souhaiterais obtenir un Angel Block, si possible, de toute urgence, ASAP, bisous. Ok, parfait. L'Angel Block, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc qu'on peut poser en plein milieu de l'air. Voilà, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit pour fonctionner. Et ça va être le truc le plus nécessaire pour le moment. Je veux prendre, ici, on va se baisser un peu, aux environs de là, poser ceci comme ça. Je souhaiterais surtout être aligné. Ça pourrait être cool de faire quelque chose de relativement bien. Hop. Est-ce que là on est aligné quand on pose le bloc? Ouais, on est aligné quand on pose le bloc. Très bien. Hop. Me placer dans le coin là. On doit être bon. On vise le bloc. On fait un clic droit. On est aligné. Parfait. Je veux poser ici un Basic Energy Relay. Ce Basic Energy Relay, je vais faire un Shift-Clic droit dessus. Et je vais faire un Shift-Clic droit sur celui-là. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être linkés ensemble. On ne va pas le voir là. Mais normalement. Alors, Shift-Clic droit et un clic droit. C'est un clic droit tout simple, pardon. Clic droit tout simple. On voit un petit trait bleu qui passe entre les deux anneaux. Et ça, c'est cool. Parce que, pourquoi c'est cool? Parce que ça signifie tout simplement qu'ils sont linkés. On va redescendre. Essayer de se placer en dessous de ce cristal. Relativement. Le cristal passe par là. Voilà, placer un deuxième cristal ici. On va le linker. Trop loin. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Tac. Ici. On va en placer un ici, comme ça. À cette hauteur-là. Et là, ça link. Parfait. On va redescendre. Se placer ici. Et faire un shift-clic droit dessus. Et un clic droit sur celui-là. Ce qu'on est en train de faire là, c'est tout simplement un petit réseau énergétique de câbles de draconique extrusion. Alors, juste en dessous, c'est-à-dire aux environs de ici, ce serait bien. Ouais. J'aimerais même plutôt le mettre ailleurs, le décaler un peu. Non, ce sera bien. On va faire ça. Ici, on va venir là. Comme ceci, toujours à la même hauteur. Alors, après, on pourrait le mettre en traviole. Hein. On pourrait très bien faire ça. Ça, hop, ici, Basic Energy Relay, on le transforme en demi. Sachant que les demi, on peut les récupérer pour en faire un entier. Hein. On le transforme en demi, on le pose ici. Hop, on sélectionne la petite le Crystal Binder. Shift-clic droit, clic droit, ça marche aussi. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que du coup, entre les deux, il va y avoir un relais qui va envoyer de l'énergie. Mais comme on le voit, ça traverse les murs, c'est pas forcément joli. Ce que je voudrais, à la limite, si ça traverse un mur, c'est que ça traverse un mur droit. C'est-à-dire que je voudrais, par exemple, coller ici, donc on est à cette hauteur-là, coller ici un relais, le binder avec son copain, coller ici. Hop, un deuxième relais. Le binder avec son copain de juste derrière. Tac. Et enfin, prendre celui-ci et le binder avec. On en a plus. On en a plus. Énergie cristal. On va en refaire quelques-uns. Basique énergie cristal. 8. C'est très bien. Voilà. Le binder avec son copain. Donc, du coup, là, il sort du mur. Enfin, il vient là. On va en binder un qui va venir ici. Et un qui va venir ici. Lui devrait être bon. Faisons le test. Simplement un petit test.
Tac, si toi je te retire ton énergie, tu te mets en low, en déconnecté. Non, tu fais rien. Tu fais rien. Ok, c'est pas grave. Tac, on revient tout de suite. Voilà, donc le Energy Relay vient ici. On va binder son copain avec. Alors toi, tu viens ici. Ou peut-être un petit peu trop. Faut plutôt le coller là. À la place de ça. Ce sera peut-être mieux. Basic Energy Relay. Hop. Bind-toi avec ton copain. Ouais, c'est bon. Hop, toi tu dégages. Et toi, tu viens ici. Toi, tu vas l'alimenter du coup. On est bien d'accord. Voilà, il va l'alimenter comme un petit fou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va binder ça à celui-là. Ce qui va se passer, c'est que toute l'énergie va être envoyée à travers nos relais de cristaux et va atterrir. Et là, ça va être super beau parce que c'est un truc que j'aime beaucoup en termes de beauté. Ça va atterrir dans l'énergie en haut, dans notre corps. Et oui, on va commencer à charger ici notre énergie corps. Normalement. C'est le bon sens? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu marches pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Peut-être parce que toi, tu n'es pas dans le bon sens. Tu es en balance, tu es pas en input. En input. Input. C'est ça? Non? Output. C'était ton output. Très bien. Et maintenant, on va envoyer à l'intérieur notre énergie, la patato énergie, qui vient se stocker directement dans le truc de Draconium. Mais on voit, on est à 0,090% d'énergie stockée. C'est immense comme système. Il faut savoir plusieurs choses. Premièrement, ces relais, ces Basic Energy Crystal Relay, ne sont pas limités par la vitesse à laquelle ils transfèrent des choses. Les seules choses qui les limitent, c'est à la fois soit combien ils peuvent transférer, soit combien ils peuvent récupérer. Alors, est-ce que ce serait possible, sans faire le truc trop moche? À la limite, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça. Toi, tu te tournes comme ça. Toi. 1, 2. On est à bonne hauteur là. Non, c'est à quatrième de hauteur. Voilà, 3. Ici, un Energy Relay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre deux trucs de patato énergie dessus parce que. Eh ben, ça va bouffer. Donc, toi. Tac, tu te bindes ici. Toi, tu te bindes ici. Toi, tu fonctionnes tout le temps. Et là, on va leur envoyer vraiment beaucoup d'énergie à l'intérieur de notre petite sphère. Petite sphère. On va lui envoyer deux fois plus. Ce qui signifie que lui va mettre deux fois plus à l'intérieur. Et on voit, on est à 15 000 RF par tick. Et ça, c'est cool. Donc, c'est complètement absurde le montant d'énergie que ça fournit. Et vous savez, ce qui est encore plus absurde, c'est que cette énergie-là, j'ai fait des petits relais qui partaient du dessous où je vous ai dit que ça emportait. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va en prendre un. Qu'on va placer ici. Parce que, bah, du coup, j'ai tout remplacé, mais j'ai pas récupéré ce qu'il me fallait. Alors, toi, tu viens. Toi, tu viens. Basic Energy Relay, on le casse en deux. On en colle un ici. On le bind avec son copain du dessus. Tac. Lui va recevoir de l'énergie sous peu. Alors, il va falloir le mettre dans le output. Parfait. Lui reçoit de l'énergie. Et donc, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il nous manque un morceau. Ok. Je sais pas si ce sera bien. Où est passé le. Oula. On a un poil de lag. En même temps, on est en train de générer à mort. Voilà. Tac. Ici, on recharge. Et vous savez ce qui est bien, c'est que du coup, on peut faire aussi des basic wireless. Ah oui, il va nous emmerder pour ça. Cable. Cable, un câble ici pour remettre en route les crafts. Wireless. Dernière fonctionnalité qu'on verra avant de se quitter. Blaze Powder, il en manque. Mais on a des Blaze Rod. Plein. Regarde, on a 23. Je suis sûr que si tu les passes là-dedans. Waiting for server. Ah ouais. Ok, ouais, on est vraiment, vraiment en train de lui bousiller sa vie.
Il n'y a pas d'utilisation avec des machines de mec pour augmenter ça, non? Bon, c'est pas grave. Tac. Hop. Wireless. Nous voici. Wireless. On en veut un. Il va nous manquer quoi? 8 Blaze Rod ce coup-ci. Oh putain. Blaze Rod. Est-ce que l'enriching factory? Non. Non. Compresseur? Non. Ah, on a bouffé! Ah, on a tout bouffé! Nickel. J'adore. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va en donner la moitié au dieu JEI et puis on va en récupérer 4. Ce sera suffisant, chose espérée. Wireless. Basic Wireless Relay. Ah bah non, il nous en manquait 8 en fait. Blaze Rod. Parce que j'ai pas envie, j'aimerais bien qu'on termine assez rapidement ce truc. Voilà, wireless. Start. Voilà, un wireless relay. Parfait. Ce wireless relay, on va dire que vous n'avez rien vu. Ce wireless relay, c'est quelque chose de vachement sympa. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il sera terminé, wireless relay, on va pouvoir le placer, disons, ici. Comme ceci, par exemple. Le binder avec notre super truc là-haut. Tac. Ah, pardon, c'est l'autre sens. Tac, le binder comme ceci. Et tout simplement, en prenant ça et en faisant des clics droits sur des machines qui ont besoin d'énergie, on va mettre celle-ci, celle-ci. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui a encore besoin d'énergie dans le coin? Ça. Voilà. Et bien, tout simplement, comme on peut le voir, ça envoie de l'énergie à l'intérieur. Donc en gros, c'est un système de câbles d'énergie sans fil. Donc, si par exemple je le voulais, je pourrais lui dire, toi, tu es sans fil aussi. Et du coup, ça lui envoie de l'énergie à partir du pylône qui est derrière le mur. Bon, c'est pas super super RP là de traverser les murs. J'aurais préféré faire traverser par un réseau comme ça que par autre chose. Mais bon, au moins ça marche. Et maintenant, au niveau de l'énergie, eh ben, on récupère notre énergie qui vient de ce câble, qui vient de ce câble, qui vient de ce câble, qui vient d'au-dessus de ce câble, au-dessus de ce, pas de ce câble, mais de ce relais, qui vient d'au-dessus de ce relais, qui vient d'ici, qui vient de ce câble et qui vient de notre energy core. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tourner en cycle clos, sauf qu'on stocke environ 9 milliards, je crois que c'était 9 milliards, hein, celui-là, c'est 9 milliards, je crois. Ouais, voilà. 9 milliards de RF par tick. 9 milliards de RF par tick. Et on alimente sans fil, sans aucun fil, toutes nos petites machines. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple ici, si je voulais placer ici, alimenter toutes nos machines avec un wireless relay, ce serait possible. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on fera. Si je voulais alimenter un peu tout ce qui reste avec des wireless relays, ce sera possible aussi. Alors, ce qu'on peut faire, ce serait ça. Contrôleur. Placer ce contrôleur, pourquoi pas ici. Toi, tu vas te binder ici à la place. Normalement, celui-là a été débindé. Et là, ce coup-ci, on a vraiment toute l'énergie qui est utilisée uniquement dans cet endroit. Et on consomme uniquement notre énergie. Et ça, c'est cool. Je crois me souvenir, avoir souvenance que de toute manière, on ne peut pas gérer de l'énergie autrement que comme ça. J'aurais aimé. Ça aurait pu être sympa. Mais bon, là au moins on a quasiment tout. Il y a Twinmax qui nous a rejoint, qui vient voir un petit peu les réglages, qui vient voir un petit peu la base, et sa supériorité numérique par rapport au restant du monde. Donc, on va se quitter là-dessus les enfants, c'était Chad. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.